Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on est dans mon atelier. bon, j'ai rangé un petit peu parce que c'était un peu Hiroshima. Hein, vous avez compris? Donc j'ai rangé un peu, mais bon, c'est encore besoin d'être rangé, hein. Et je voudrais bien que tout ce qui est là-bas sur la table, ça parte, soit vendu pour que je puisse finir de bien ranger. Mais là, il y a quand même des choses qui ne veulent pas être vendues. Ça m'embête. Oui, on ne veut pas ça, ce que j'ai mis à vendre là. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a en vidéo? Diamond Painting. La petite grenouille qui prend sa douche. Elle avance. J'ai avancé. Donc, j'arrive à la deuxième ligne. Et j'ai rebouché les trous où il me manquait des perles. Bon, j'ai pas encore reçu les perles, hein, de la boutique. Bon, ça ne devrait pas tarder, je pense, puisqu'ils m'ont dit qu'ils me les envoyaient. Mais j'ai des copinettes de mon groupe de DP qui m'en ont envoyé. Alors, par contre, elles m'ont envoyé les bonnes références. Vous verrez, à un moment, je vous montre les sachets. Il y a une différence de couleur, de reflet, de couleur. Il y a un peu plus foncé, un peu plus clair. Mais bon, j'ai dit, zut, hein, tant pis. On mettra les clairs un peu là, les foncés un peu là. En marchant vite, ça se verra pas, hein. Mais bon, je comprends pas. Enfin, si, je comprends. Je comprends cette différence de couleur qu'il y a, puisque les perles de Diamond Painting, c'est exactement le même système. Je crois que je vous l'ai déjà expliqué dans une vidéo. C'est exactement le même système que quand vous achetez des rouleaux de papier peint ou de la peinture. Quand vous faites de la peinture à votre maison, achetez vos pots en même temps. Regardez bien la référence, parce que si vous achetez un pot, par exemple aujourd'hui, vous dites merde, au bout d'un mois, il manque un pot, vous allez rechercher un pot, vous risquez de ne plus avoir exactement la même teinte. Voilà, c'est le, on appelle ça le bas. La tapisserie, c'est exactement pareil. Il y a une référence dessus qu'on appelle le bas. Il faut que vous regardiez bien sur le papier du rouleau de tapisserie, que vous ayez bien le même numéro de bain sur tous vos rouleaux. Et bien là, les perles de Diamond Painting, c'est exactement la même chose, sauf que là, on n'a rien pour vérifier, quand on les reçoit, bien sûr. Bon, quand elles sont en chapelet, on sait que c'est le même bain, mais là, j'ai des copinettes qui m'ont dépanné, c'est pas les mêmes perles, elles ont pas eu au même vendeur, donc automatiquement c'est pas le même bain de couleur. Donc voilà, je sais que il y en a souvent qui se posent la question, ben pourquoi voilà, j'ai, je sais pas quelle couleur, on va dire elle a 38-50 ou je sais pas quelle couleur, je sais plus quelle couleur c'est, mais pourquoi là j'ai un sachet plus foncé et un sachet plus clair alors que c'est la même référence. C'est la même couleur, hein, à peu près, mais il y a une différence. C'est plus foncé d'un côté plus clair de l'autre. Mais c'est ça. C'est parce que c'est pas le même bain de couleur. Les perles n'ont pas pris le même bain. Donc voilà. Pour ceux qui se poseraient la question de savoir pourquoi il y a une différence de couleur, des fois dans les perles, quand vous gardez les perles, vous regardez des fois, moi j'ai une grosse boîte là où j'ai plein de perles, c'est pareil. Je vais regarder une référence, je regarde la même référence de chez un autre vendeur, je peux avoir une différence de couleur dessus. Voilà, donc là j'avais une différence et je dis bon, hein, à pas s'embêter, hein, ce que je vais faire, c'est que je vais pas le mettre au même endroit. Je vais mettre les clairs plus en haut, les foncés plus en bas.
Et puis de toute façon, ce diamond painting là va être dans un couloir qui n'est pas éclairé, enfin qui est sombre. Donc en plus, ça se verra pas du tout. Et c'est pas un couloir où les gens vont passer, puisque c'est pour aller à ma salle de bain. Donc je m'en fiche. Voilà. Mais donc voilà. C'est pour ceux qui ne connaissaient pas l'explication des perles qui ont une teinte un peu différente, en ayant la même référence, c'est ça l'explication. Alors, par contre, n'oubliez pas ce que je vous ai dit pour le papier peint et les pots de peinture, hein, pour votre maison. Parce que c'est là, par contre, vous auriez un problème, hein. Vous mettez votre rouleau comme là, je mets un rouleau de gris. J'en achète un, j'achète deux rouleaux de papier gris, mais que j'ai pas pris le même bain sur mon mur, je vais voir la différence. Hein. Voilà, donc faites bien attention à ça pour ceux qui ne connaissent pas. Donc voilà, petit conseil bricolage au passage. Donc aujourd'hui voilà, c'est ma grenouille qui prend sa petite douche. Alors, je vous ai filmé la première ligne jusqu'au bout. Je ne vous ai pas filmé la deuxième ligne que j'ai attaquée, mais je vous ai mis une photo comme je fais d'habitude maintenant. Maintenant, c'est ce que je fais. Je fais mon carré. Là, bon, là, du coup, je fais un carré et j'ai ébauché les trous. Et j'ai commencé la deuxième ligne. Donc, j'ai attaqué par la grenouille. Elle est au milieu, mais j'ai voulu attaquer par la grenouille. Donc, vous l'avez en photo à la fin. Je pense qu'elle va être mignonne. Bon, il faut l'avoir finie, hein. Je crois que là, pour l'instant, je vois pas trop. Enfin, je vois bien que ça représente une grenouille, mais il faudra que je la voie terminée pour voir ce que ça donne. Donc, voilà. C'était le DP du jour. Ma grenouille sous la douche. Et maintenant, je vais vous laisser visionner donc cette petite vidéo. Au passage, vous verrez que je vous ai mis un message dans la communauté. Donc je redis en même temps bienvenue à tous les nouveaux abonnés depuis ces dernières semaines. Là, ce mois-ci, il y en a eu 78 de nouveaux. Merci beaucoup. Bienvenue sur ma chaîne. J'espère que ça vous plaît. Là, on est aujourd'hui. Aujourd'hui, là, au moment où je filme, on est arrivé à 4950 abonnés. Donc, il en manque 50. Bon, je ne fais pas la course aux abonnés, hein, pas du tout. Mais bon, il en manque 50 pour arriver aux 5000. Et du coup, le gros concours que je ferai en novembre, du coup, je pense que ce ne sera pas que pour mon anniversaire, mais je crois qu'on fêtera en même temps les 5000 abonnés sur ma chaîne. Donc, ce sera un double concours, enfin un double concours. Ce sera un gros concours, mais pour fêter mon anniversaire et pour fêter les 5000 abonnés. Voilà. Contente. Alors, bienvenue à tous et encore merci à tous, aux anciens, aux nouveaux, d'être là, fidèles à ma chaîne. Grâce à vous, c'est voilà, ma chaîne est ce qu'elle est et je vous aime tous. Allez, je vous laisse visionner ma chaîne, oui, je vous laisse visionner ma chaîne, bien sûr. Je vous laisse visionner la vidéo et on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos, nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude. À bientôt, bisous bisous. Bon visionnage.